Regardez les fraises avec les Claudettes, hein, et c'est le Walbersine. Thank you.
La rencontre. Donc la rencontre, les fraises a commencé, nous étions au nombre de deux. Il y avait un batteur qui n'est plus parmi nous, mais qui va bien, qui est en bonne santé, je vous rassure. Et qui est parti. Ensuite, j'ai rencontré cette personne à ma droite, là, avec qui nous faisions de la radio, qui est bassiste, qui s'appelle... Mathias. Qui est également texan, hein, qui fait de la technique sonore, n'est-ce pas? Et qui m'a ramené cette autre personne à ma gauche, qui est batteur, qui s'appelle... Gaëtan. qui est donc également technicien son, et ça, c'est formidable. C'est mes Claudettes. C'est quoi cette auberge espagnole, comment dire? On essaie... Putain, Nous avons comment va beaucoup à falloir se échanger. justifier encore de nos C'est conneries? pas toi de C'est à justifier le moi... nom du. C'est toi qui justifie le nom du groupe. Nous avons rejoint le projet, le nom était existant et le projet aussi. D'accord, Ça le doit nom de faire Les votre Frais, projet. je m'en vais m'en décharger un petit peu parce que c'est pas totalement tout de ma faute. C'est à Ok. cause notamment des gens de chez A16 Records. À l'époque où on a commencé le projet avec l'autre batteur, donc on ne buvait pas d'alcool. Et d'où le surnom. On a failli s'appeler Eau Plate. On s'en est pas trop mal sorti. Et pourquoi je chante en anglais? C'est parce que j'ai une sainte horreur de chanter en français. Simple. Et je suis mauvais en espagnol, donc. Ah bah oui, là maintenant, je pense qu'on reviendrait pas en arrière. Après, on sait jamais. Peut-être on va prendre un accordéoniste ou un pipoïste, un joueur de pipeau, clarinettiste Un peut-être. joueur de casou. Voilà, un joueur de casou, peut-être. Ouais. Bah moi j'ai un groupe que je respecte énormément sur le récent, c'est O6, O6 qui viennent de San Francisco. La scène garage psyché san-franciscaine, de manière générale, Ty Segall, toute la clique. Et sur les plus vieux, psychédélisme, une bonne, une grosse base solide, c'est le premier album des Pink Floyd, Syd Barrett, pour ma part. Donc du coup, ouais, tu disais le côté psyché, c'est vrai que Ouais, ou rock garage, ça vient plutôt de lui à la base, parce que nous, on vient plus du rock et du metal à la base, même si voilà, moi j'écoutais Black Sabbath quand j'étais jeune et voilà, j'ai quand même écouté des choses perchées, mais c'est vrai que j'écoute plus de choses de ce genre-là depuis que je suis avec ce projet-là. Et Tiasma. Ouais, moi. Peut-être plus, je me suis mis récemment, bah, en jouant justement avec les fraises, je me suis plus mis au grunge, Alice in Chains, les vieux albums, un peu plus de Nirvana aussi. Après, en rock psyché, ouais, D.O.C.'s, Fuzz, le dernier album Mantra est vraiment cool. Et après, si, j'ai écouté beaucoup de Doom psychédélique, mais en soi, du rock psyché, j'en écoute pas trop que ça, quoi. On a... oula, attends. Compliqué, Parfois, ouais, j'ai on hésité. a... C'est Le pays... l'ancien batteur, en fait, qui Ouais, c'est toi qui as posté. Sur le Bandcamp, en fait, c'est du vieux son avec l'ancien batteur. Du nous. Donc, en son sur l'Internet, à l'heure actuelle, oui. Mais il y a des vidéos live de nous trois, des concerts qui ont un mois ou un an ou quelques mois. Mais on n'a pas de son. Justement, c'est ce que je te disais avant l'interview. On a enregistré quatre morceaux en janvier et un morceau en avril et ils sont en attente de finition de mastering pour qu'on puisse faire un joli EP avec tout ça. On est sur du réglage de poils de cul de mouche, d'équilibrage de son. Merci Ben beaucoup. merci à vous.